Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de la prison de Hope County. Et je vais être accompagné par Mr. Toons, qui arrive en parachute, voilà. Comment vas-tu, Toons? Bah tranquille, moi ça va, Bon, ça va. ça va, t'as pas trop peur de te faire emprisonner vu qu'on va à la prison, ça va? Non, ça va, ça va, Ouais, ça va. Allez, on va peut-être prendre une tuture pour y aller. Parce que ça fait légèrement Réfléchis. loin. C'est un peu loin. Bah tiens, gagner une tuture là, au pire. Tuture ici. Forcément. Alors, il prend la tuture à moitié déchirée, alors qu'il y a une voiture en meilleur état de l'autre côté. Juste parce qu'il peut la conduire. C'est incroyable. C'est juste parce qu'il peut Et la parce qu'elle conduire. est beaucoup plus stylée aussi. Oui. Mais elle est fumante déjà, donc on va se prendre des coups, on va rien Ah voir. non, elle fume pas, moi. Si, si, elle fume. Chez moi, elle fume. Moi, elle fume pas. Moi, elle fume pas. Du coup, on va aller du côté de la prison aujourd'hui. On va aller voir un peu comment les résistants s'en sortent au niveau de la prison. Et ensuite, on ira chercher un gros camion. Normalement, un 4 tonnes 5 ou un 3 tonnes 5, je ne sais pas encore. Le fameux Widowmaker. Et tout ça dans la joie. Et putain, cette vache! La joie et la bonne humeur. Non, je parlais pas de toi, je parlais vraiment de la statue de vache derrière. Bref. D'accord. Et du coup, on ira chercher le Widowmaker. Donc, c'est un gros 4 tonnes, je pense. 4 tonnes 5. Très très stylé. Un connaisseur? Non, juste que j'ai vu le logo sur l'image de la quête, sur la bannière de la quête. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait sympa si on allait le chercher. D'accord, ok. Voilà. Mais pour le moment, go à la prison. Par contre, c'est loin. 700 mètres. Mon Dieu. Bon, bah du coup, les amis, le temps qu'on arrive, on va faire une petite ellipse, je pense. Le temps qu'on arrive. Ouais. Allez, petite ellipse, les amis. Et re, nous voilà à la prison. Donc, on s'est fait un petit peu alpaguer en arrivant, malheureusement. C'est bon? Ça, c'est les mecs avec nous. Mec, okay. Y a un sniper. Ah, C'est bon. c'est bon. Tu nous as vraiment sauvé la mise. Ça fait plusieurs jours qu'ils s'acharnent sur ces murs, mais sans succès. En attendant, on se retrouve dans un sacré merdier. Les camions arrivent! Putain! Un docteur! Bon, j'ai besoin que tu montes sur ce mur. Bah oui! Va te suicider! Tous ces papiers! Oh, en plus, il a dit putain, ouais. J'ai un petit peu tout pété. Tu peux me donner des munitions? Faut appuyer sur C, monsieur. C'est déjà fait. C'est parti! Bouffez ça! Mourez! Ah, je suis blindé en grenade, en TNT, etc. T'inquiète que j'utilise. Ah, je me fais Oh putain! plaisir. Ah, bon, ok. Je m'accroche à la vie. Oh putain, dans la position où je suis! Ah, ben Ah j'ai bah. l'effet salaire, je suis au sol, je suis mort. Ah bah voilà. L'effet salaire, le cul en trompette. Oh! T'as plus qu'à Ouais! attendre. Oh, Oh magnifique écran. putain! Magnifique écran de chargement. Oh, Oh! Thalys! Coucou toi!
Bonjour mademoiselle, si jolie, si belle, t'as les chevaux du miel. Vas-y, occupe-toi du de la gauche, je vais m'occuper. J'ai resté là. Mur ouest, ok. Plus personne au mur ouest. Wow. J'ai tout pété. Je suis tombé. Je réanime les mecs. Baston! J'ai un peu tiré au lance-roquette au corps à corps. Je réanime. T'arrêtes, toi? Je suis tombé. J'ai récupéré Ingre. Allez, viens par là, le camion citerne. Au revoir. Ouais, j'étais un peu au lance-roquette, ouais. Ça smoke. Un peu tard. Quoi? Ça y est, on a fini la prison de Home Country. Voilà. J'ai perdu mes armes. Roger, viens faire un soudé. Roger. C'est Footy qui s'en servait. Retrouve-le. Toi, suis-moi. Rapporte du métal. Et si t'as besoin de dégonder les portes des cellules, fais-le. Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps. Des problèmes? Non. Des cinglés ont escaladé le mur. Mais c'est bon. La porte? Je crois que c'est pas trop grave. Ça va aller. Continue d'appuyer. Tu sais, je voulais prendre ma retraite l'an dernier. J'avais peur de me faire chier. Eh, vous faites les présentations ou on va rester là planté comme des connards? Langage. Oh, la ferme, Virgile. Pas maintenant. Je te dis, la vulgarité est un signe de... Tu ne portes pas ton insigne. Non, vous êtes perspicace. Combien de personnes on a perdu? On est des cougars! Pas vraiment, non. Tiens, moi je porte mon insigne. Le shérif aussi porte le sien. Cette personne porte... Désolé, qui est-ce? Ça, c'est mes officiers. Vous aviez pas dit que vos officiers avaient été enlevés? Non, pas celui-ci. À ce qui paraît, il mène la vie dure à ceux des Dunsgate. Vraiment? Bon, j'espère que vous aimez bosser. On n'aime pas les feignasses. Tracy est cool une fois qu'elle te connaît. C'est vrai pour le boulot, par contre. C'est pas ce qui manque par ici. Il suffit de demander, c'est tout. Ouais, mais quand même. Content de te revoir, toi. Bonjour, monsieur. Bah, je te demanderai pas. Ah, il est fier. Mais je te permets pas de toucher mes tétés. Non, mais où tu prends pour qui, là? Ok, bon. Ok, c'est bon. C'est pas mes affaires, mais vous devriez aller parler à Virgile ou à un des autres. Oh merde! Ils font de la dope! La coke. Oh la vache! Prendre. Y'a la recette! Ah non, c'était des dollars. Bon. La recette, elle est là. Carnet du veto, l'examen de la bestiole écrasée a confirmé mes pires craintes. Je ne pense pas que c'est qu'un esprit surexposé à cet agent soit récupérable. Note perso, faire un compte rendu écrit et détaillé des découvertes. Je nommerai d'autres études pour lever les derniers doutes, même si je ne réussis pas à guérir les anges. Je peux peut-être faire quelque chose pour les aider ou nous aider. J'aurais besoin d'autres échantillons de l'agent et de tissus qu'il a affectés. Il faut que j'essaie. Le travail quotidien est épuisant, mais je peux y arriver, je le sais. Oh. Oh. Cocktail Molotov. Qu'est-ce qu'il faudrait dans cette prison? Un
peu de déco, de la broderie. Alors, c'est fermé à clé. On fait comment pour sortir ? Très franchement, je pensais pas qu'on se reverrait. Après l'accident, je me souviens du bruit. Tu dois parler au mec, non ? Ça y est. D'avoir marché dans un champ. Et puis je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, pas vrai ? Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle puisse promettre, elle ment. Ne t'approche pas d'elle, ou tu risques de finir comme le marshal. La grâce, ça fait tout oublier. Ça te libère. T'as juste envie de rester là à jamais. Mais tout est faux. Rien n'est vrai. Bah si tout est faux, rien n'est vrai. Si tu m'avais pas trouvé, j'y serais encore. Oula. À nager dans un océan de grâce. Il y a un veau qui respire dans son micro, là. Ah bon ? Oui. Ces cougars, c'est des gens bien, et ils vont pas tenir longtemps. On doit les aider. Personne ne le fera sinon. Une dernière chose. On avait un médecin, enfin un véto, mais il fait de son mieux. Il a disparu depuis quelques heures. Je sais ni pourquoi ni comment. Essaie de le retrouver, d'accord ? Pour bien chasser, il faut un chapeau et de la patience. Bon, oh ! Un chapeau pour l'éthique, c'est réconfortant d'avoir un sujet. Faut lui parler. Mais faut lui parler, ouais. J'ai pas fait exprès ! J'ai pas fait exprès ! Couvrez-moi, je me déplace ! Lorsque j'étais jeune, soyez prudents ! Bon, bah bonne chance, hein. Mais tu dois lui parler ? Bah oui, mais je lui ai parlé, là, ça y est ! Mais tu dois lui reparler, il a une quête sur lui. Mais non, mais ça y est, la quête, je l'ai pris. Bonjour, monsieur. Bah, je sais pas, moi, je lui vois encore avec un blaze au-dessus, là. Mais la quête, je l'ai pris, c'est bon. C'est... En fait, on s'est tellement éloigné de ce qu'on devait... Où est-ce qu'on devait aller. On va aller faire le Windowmaker, là. Faut que t'arrives à sortir sans te faire tuer. C'est possible ? Je suis dans la prison même. Moi, ça y est, je suis sorti. En fait, on a changé de zone. Oui, oui. Pour ça que je te dis, là, on va. Et laisse-moi passer. Pour retrouver une voiture et y aller. Vous avez reçu une bénédiction. Oh bah ça, c'est cool, on se fait bénir maintenant. Qui aurait imaginé que l'ancienne prison se transformerait en planque pour la résistance ? Ton shérif a l'air de savoir ce qu'il fait. Saté. La radio et on attend le monsieur. Bah ouais, mais j'aurais bien en fait récupéré mes armes. Bah si c'est les armes que t'as trouvé dans la prison, tu les retrouveras pas. Hein. Bah non, mais c'est juste qu'elles sont plus dans mon inventaire en fait. Hein. Mais c'est des armes que t'as récupéré, lance-roquettes, tout ça dans la prison. Ouais, bah ouais. Bah, mais j'aimerais bien rééquiper mon sniper en fait. Ah bah tu parles à l'armurerie, non? Bah c'est ce que je suis fait occupé de faire. D'accord. Mais le problème c'est que j'ai que personnalisé. D'accord. Ah voilà, c'est bon. Alors. Maintenant faut que tu sortes. Enfin, on s'évade de la prison. On saute par là. Allez monte. Attends, on fait une petite course. Bah, je fais pas de course puisque de toute façon, vu où on est loin, va y avoir un. Je vais refaire une ellipse. Hein. On est hyper loin là. Ouais, bah on fait une course entre nous deux, genre. Bah, ouais, mais moi je la ferai pas la course. Bah écoutez les amis, petite ellipse, le temps d'aller là-bas parce que regardez, il y a quand même 1,8 km. On se retrouve du coup à l'endroit pour la quête pour le Windowmaker. A tout de suite! Re les amis, voilà, on est arrivé pour choper le Windowmaker. On a Toons qui était en mode sniper sur le rocher, il vient de retourner dans sa voiture. Non mais on va sortir. Hein. Ah d'accord. Ok, t'inquiète. Par contre, si tu as des munitions, je dis pas non. Ouais, mais il faut une clé. Je vais t'en donner aussi. Ouais.
Bon bah écoute, c'est dans la maison, je pense. Notre peuple réservé à rien contrôler. Si vous devez y entrer, vous trouvez la clé près de la tente d'atelier. Mais vérifiez avec le Baptiste avant de l'utiliser. On ne veut pas qu'il n'importe quelle approche de Windowmaker. Donc la tente. Il faut trouver un campeur, quoi. Non, si, là. Là. C'est bon, j'ai la clé. Ah, bah, j'ai. Ah, d'accord. Oh. Alors, qu'est-ce que t'en penses du Windowmaker ? Je conduis. Allez, let's go! Oh, c'est bon ça! J'ai plus de cartouches et j'ai plus que le fusil de l'espace, donc... Asus, t'inquiète, tu peux péter le véhicule dedans. Ah, bah, je l'ai fait. Il a des véhicules dedans. Le carnage. T'es sérieux? J'ai rien fait! J'ai juste balancé une molo! Ah. Ça a fait des dégâts instant! What? Vas-y, je m'amusais bien! Tu t'amusais trop! Captain Chiant est venu pour remettre les choses en place! Aïe aïe aïe! On remercie Captain. Oh! Non, vas-y, moi je veux pas! Non! Moi j'ai pas d'armes qui one shot. Bah j'avais plus d'armes moi. Youhou. J'ai shooté dans le bois. J'ai shooté dans la voiture, les gars. Allez! Aïe! Allez! T'as compris, Sam? Quoi? Tu peux tirer. Ok! On va tirer alors. Allez. Ah. Ouais, mais... Il veut pas nous laisser partir lui par contre. Allez. Oh là c'est pour toi par contre. J'ai plus de balles, je suis au sniper. Oh, j'ai dû me heal la dernière minute. Hein. Il a fait la peuplée. Il a fait la toupie, le quad. Oh!
Désolé pour les bambis. Quoi? Je sais pas. Attends, ce serait des camions piégés? Je ne sais pas, mais je pense que t'as dû le faire péter en lui fonçant dessus. Ouais, à mon avis, c'est des camions piégés, donc il va falloir les esquiver. Je pensais qu'en rentrant dedans, ça allait être... Est-ce que... Attends, on sort du véhicule? On sort? Pourquoi? Ah, tu veux conduire? Non, je veux donner des balles. On t'y croit, on y croit. Bah t'inquiète, vraiment hein, je te laisse conduire. Mais, il est sérieux? Bah oui, parce que... Je veux te donner des balles. Pourquoi tu veux me donner des balles? Pour que tu puisses m'en redonner aussi, pour que j'ai des balles. Hein? Tiens. Hop. C'est bon? Voilà. Mais ouais, je pensais... Eh oui, ma poule! Par contre, si tu veux conduire, fallait juste me le dire, faut pas te sortir des excuses à la con en mode... Yeah. Oui, on va les défoncer. Elle a dit de les défoncer, de klaxonner à chaque fois qu'on en défonçait un. Une balle. Oh. T'as déjà plus de balles. Donc c'est ça. Je vais péter l'hélico. Vas-y. Je vais pas péter l'hélico du tout parce que j'ai plus de balles. Pas grave. On fonce! Oh putain, c'est... Tu pètes l'hélico, son. Ouais. On pète lui et on swap. Swap, 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 swap. Swap. On peut swap? Ah bah attends. C'est bon en fait. Attends. Non, il y a l'hélico devant. Ah mais si l'hélico ne me tire pas pour l'instant... Ok, je le vois. J'aime bien, c'est que l'hélico, en fait, il ne tire pas dessus. C'est pourquoi? Parce que tu y tires dessus, toi. Voilà. Ah. Ouf. Attends. J'ai vraiment plus de balles. C'est pas grave, t'inquiète, il y a juste à le rapporter. Et après c'est bon. Et tu l'auras aussi chez toi en plus le camion. Hein. On pourra. Non, j'en ai déjà moi. Ah l'autre, il a continué sans moi. Hein. Bah non, j'avais déjà joué au jeu avant. Ah. Ok. Donc ça, ok, c'est tellement... Ok, pas de soucis. Faut le garer. À droite, derrière toi. Ça, c'est du créneau. Ici chaque fois qu'il rentrait à la maison, comme aujourd'hui, et je lui faisais coucou. Vous avez assez de cran pour le conduire. Mais surtout, vous avez du courage. Vous auriez plu à mon père. Si jamais vous avez besoin d'utiliser le Widowmaker, n'hésitez pas. En attendant, je vais rester à l'affût. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je vous fais signe. Merci encore, officier. Par contre, Oui. Il est badass le camion. Seul.
Quoi ? Officier, je sais qu'on est loin d'en avoir fini, mais tes exploits redonnent un peu d'espoir et d'inspiration à la résistance. Bon, alors moi je prends un peu de binous, tu vois. Non, on peut pas. Ce n'est plus qu'une question de temps, ne t'en fais pas. J'aurais bien aimé aussi, mais bon. Boutique. Va falloir parler au prêtre. Ouais, ouais, deux secondes, j'arrive. Je reprends juste mon haut. Ah ouais, mais non, ouais, d'accord. Je vais prendre des armes un peu plus, on va dire, correctes, si on peut dire ça. Alors, attends, du coup, j'aimerais ça, par exemple, un viseur optique. Ça, c'est quoi ? Mire métallique, lunettes optiques, ranger. J'ai le viseur réflexe, moi, sur mes petites armes. Visée réflexe. Marquage des cibles plus rapide et précision améliorée avec les... Ok, et du coup ça... Conçu pour les tireurs de sportifs visant l'or, les autres métaux, c'est pour les perdants. Je perds en maniabilité, là je gagne en précision et en truc. Ouais. J'aime bien le viseur optique par contre. Ça fait toi plaisir. Ça... Rend l'arme visuellement silencieuse, ne vous souciez pas de sa forme, les coins ne la rendront pas plus bruyante. Oh, bon, nice. Et du coup, le char zoom en plus. Voilà. Bon, j'ai une arme custom. Et vu qu'on a ça, il me faudrait un petit pistolet assez sympatoche. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc sympa? Oh. Oh. Moi je prends ça. Ah, j'ai plus de thunes. Bon bah l'amélioration viendra plus tard pour ça. Vendre le butin. Voilà. On est déjà mieux équipé. Oh. Très sympa ça. Allez, on va parler au prêtre. C'est parti. Le prêtre, il est où ? Ok, il a déjà pris le véhicule. En mode, c'est ouais, bon. Ouais. Oui, c'est bon. Allez. Ouais, par contre, le prêtre, c'est quoi ? Officier, j'ai des informations importantes. Ouais, parle, vas-y. J'ai encore besoin de ton aide. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la résistance au camping de Silver Lake. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis. D'accord. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés. Va au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sain et sauf. C'est pas le camping de Jason ? Ouvert au pardon. Sinon, nous ne valons pas mieux. Je ne sais pas. Parce que là, en mission principale, il faudrait qu'on fasse libérer la Syrie Baron. Ouais, ouais. Mais malheureusement, bah là, c'est la fin de l'épisode. Ouais, mais pour le prochain épisode. Ah, bah ce sera pour le prochain épisode. En tout cas, moi, là, je suis restuffé. Et bien comme il faut, là, en plus. Hein. Moi aussi, j'ai une nouvelle arme. Ah bon ? Regarde. Oh, regarde-moi. Oh, la R4C. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Du fail, comme d'habitude. De l'action. On a essayé de faire de notre mieux. Même si c'est un peu fail. On espère que vous avez apprécié. On vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine pour le prochain épisode de Far Cry.
Et t'as de me taper dessus. Tiens. Ah. Tiens, pardon. On vous dit à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao, les amis. Bisous, bisous.